Bonjour à tous, c'est JCPO23 et on recommence une vidéo, une nouvelle vidéo, c'est la suite de Submachine, on y va. On commence donc par le 5, pour cette nouvelle série, la suite, on va dire c'est la deuxième section, je sais pas, bref. Bon, play. Ensuite, bon ça va, c'est simple, je vais cliquer sur les valves. Voilà, il y en a 4. The Root. C'est quoi The Root? Bref. C'est logique. Bon, je descends, je vais là-bas. Y'a que dalle dans les tiroirs. Bon bah y'a rien ici, tant pis, on sort. Descends alors. Un ordi, j'imagine qu'il faut. Voilà, il faut la tour. Go back. Il écrit. Ok, on fait pour le reste, donc go back c'est en bas. Donc il m'a écrit des coordonnées, The Lab, The Road, Corridor. Et ben on va aller au The Road puisque le corridor, j'imagine que c'est la fin. Il y a toujours des trucs comme ça, il y a toujours un truc pour la fin. De toute façon, là on est à The Lab et de toute façon je fais le deuxième. Ah ah, notre bonne vieille machine. Bon alors c'est quoi le code, c'est 552, ok. Ah, pourquoi je peux cliquer ici? Si y a le droit ici, c'est que je peux cliquer. Ah, le petit passage secret, d'accord. Attends. Eh, c'est un secret ça! Génial! Putain, je savais pas qu'on pouvait cliquer derrière. Astucieux comme truc quand même. Donc ça c'est le courant j'imagine. Ah ouais. Ouais, qu'est-ce qu'on doit faire là-bas? Ah ouais d'accord. Voilà, c'est mieux quand il y a de la lumière. Bon. Y'a rien. Là on descend, y'a quoi? Ah mais c'est des vis, il faut une clé à molette pour enlever ça. Je l'ai trouvé. Bon, ça sert à rien tout ça. Ah. Observation room. Ah, et là j'imagine qu'il faut une clé. Et ben on va la chercher. Elle doit être sûrement sous les verrous. Ah c'est ça. Ça va encore nous... Le wrench il va encore nous servir. Voilà, oh qu'est-ce que c'est que ça? Cipher plate. Ah ça va pas dans le truc en bas là. Là. Ça rentre? Ouais nickel. Alors je suis où là? Téléporter. Ou une formule. Ça doit être de l'acide et ça c'est l'eau. Et ça l'écrit en plus. Ouais, c'est bien ça, ça écrit. Oh bah tiens. Oh bah pourtant c'est un verrou ça. Je vois bien que c'est un verrou, alors pourquoi est-ce qu'on peut pas enlever l'eau? Bon, ça sert strictement à rien. Bon, on y va. Si on peut bouger? Ouais, on peut. Ça
strictement rien. On va le mettre dans l'autre sens alors. Yes, le deuxième. Un deuxième plutôt. Bon, c'est strictement rien. Chargeur. Ah, c'est un chargeur. Oh. Si y a la petite souris comme ça. Ah. Oh, c'était bien caché. Oh, bien caché le secret. Heureusement que j'ai passé la souris dessus. Bon, on va mettre le deuxième avec. Hein. Ah, je comprends. Oh merde, y'a pas de lumière. Je peux pas y aller s'il y a pas de lumière. Missing light. Ah bah oui, je peux pas continuer s'il y a pas de lumière. Faut pas hésiter. Bon, alors je pense qu'on on met le 2 à cette place. Et le 1. Ah, c'est là où je suis déjà. Alors on inverse. Ah, ça doit être les valves. Il faut sûrement les mettre à un endroit précis. Ça veut dire que celui-là il est bien dessus. Et celui-là aussi, tranquille. Et le dernier, on va faire 3 fois du coup. Si je reviens en arrière. Oh yeah, nickel, mais c'est facile ça. Putain, j'y crois pas. C'est une énigme ou c'est un c'est enfantin comme truc. Bon, du coup, moi je sors. Et attends, il y avait marqué un espèce de truc, hein, acide fois H2O. Si je retourne là-bas, est-ce que je peux faire... C'est du métal, ça. Et le métal avec un genre d'acide, là, dans l'eau, ça fait glouglou. En gros, le métal fond. Bonne idée, on va essayer ça, si ça marche. Ah oui, parce qu'il y a un mélange d'eau et d'acide dedans. Et c'est bien ça, le métal est absorbé par l'acide. Et on vide l'eau. Ah bah voilà. Yes, un gemme de wisdom. Je vois ce que c'est. Moi j'imagine que pour ça il faut une lampe ou un truc spécial. On verra ça plus tard. J'enlève ça, moi j'en ai pas besoin. Encore la souris comme ça. Oh, derrière le truc. Ah, c'est pas bien caché. C'est pas bien caché du tout, puisque quand je passe la souris là, je vois très bien qu'il y a un truc bizarre là. Que la souris elle change de forme. Ça veut dire que quand elle change de forme, ça veut dire qu'il y a une action à faire. Oh, ça sert à rien du tout en fait. On va le mettre dans l'autre sens. Fait quoi là? On va laisser comme ça. Hein. Oh tiens! Attends, ça, c'est quoi ça? C'est pas une aiguille de température par hasard? Et donc ça c'est quoi? Ça c'est le chauffage? Ah, donc la valve que j'ai tournée avant, c'était pour ça. Ça c'est quoi? Ouais, c'est bien ça. Vu le bruit que j'ai entendu, c'est que c'est bien ça. Bah moi, au moins, vous galérez pas avec moi. Ah bah voilà, on peut rentrer en plus. Ah, mais on est dans le Submachine 2, là. On est rentré dans le phare. Yes, regardez-moi ça. Le deuxième gemme. J'imagine qu'il y en a 3 et puis après on se barre. Et regarde-moi ça. Regardez-moi ça, un secret.
J'imagine que le cinquième secret est là-dedans puisqu'on peut pas l'ouvrir. Là par contre, je sais pas comment faire. Ah, le machin qui demande de l'électricité, c'est peut-être ça. Et du coup, j'ai vu le chargeur in 01. Ouais, c'est ça. On va revenir au truc. Non, c'est pas le bon. Là, le chargeur, si je prends ça et que je charge la lampe, je peux le mettre sur le machin d'électrique. Et alors, à moi le dernier secret. C'est vraiment simple. Vraiment très très simple. Ah, encore une fois. C'est pas assez. Y'a pas assez d'intensité là-dedans. Là, ça éclaire. Là, je prends. Coil. Non, j'imagine que si je mets. Là, au machin. Je mets ça dedans. Donc si je retourne. C'était lequel? C'était ça. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Ah mais j'en ai vu un autre. J'en ai vu un autre. Ah. D'accord. Donc ça c'est le code, il est noté. Oui, ça marche. Alors j'imagine que si je reprends le machin. Non, c'est pas ça. Oh yeah. J'en ai vu un deuxième, on va retourner au zéro. Juste ici, je l'avais vu. Imagine. Du coup, c'est combien là-bas? Non, voilà. Là. Ah, nickel! C'est nickel! Est-ce que j'en ai encore besoin du truc? Non, je crois pas. Bon, je vais le laisser ici alors. Non, celui-là, je le reprends pas. Alors, on va prendre le cipher plate. Du coup, je peux y aller au machin là où il y avait la grille. Non, c'est pas ça. Les formes sont quand même bizarres. Du coup, ici, je peux. Ah bah non! Je suis passé devant comme un con. Et j'ai vu une ampoule qui n'avait pas de petite grille comme ça. Et je suis passé devant comme un con. Parce que oui, j'imagine qu'il faut la prendre pour la mettre là où il n'y a pas d'électricité. C'est où? Mais oui, voilà, c'est ça. C'est con comme truc. Je m'en suis rendu compte que maintenant. Et voilà. Et ben voilà. C'était aussi simple que ça. Ah, alors, le code. Au milieu, un rond. À droite, un petit machin comme ça. Donc, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Là, ça serait... Ouais, c'est juste. Ah tiens, on est dans le submachine 0. Il m'en manque 2 là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Hey, il m'en manque 2. À moins qu'on puisse le. Ah ouais, d'accord. On peut le reprendre. Astucieux. Ah non, je peux plus le reprendre. Ah, c'est là où il y avait le gemme du submachine 0. Malheureusement, il était en l'air et c'était comme le truc. On dirait comme un truc de Sims. On dirait les Sims. Mais je préfère ça, franchement, comparé aux Sims. Hein. Franchement, les Sims, c'est vraiment la merde à côté de ça. Enfin. Certains diront non, mais bon. On s'en fout un petit peu. Et du coup, il faut pas les trois trucs pour partir? Attends. On va essayer d'aller au corridor. Et on va voir. C'était ça, hein. Ouais, c'est ça. Alors, c'est par où? Je me souviens d'avoir vu un jeu où on pouvait rentrer là-dedans et on allait à l'infini à droite, à l'infini à gauche, et ça devenait de plus en plus noir. Je me souviens de ça. Ça devait être le Sublet Explorer. Ça va pas du tout. En tout cas, avec le bruit que j'entends, ça doit sûrement être là.
Portal, Lab, Dorm, Edge, Chargeur, Mover. Eh bah allons Edge, Chargeur, Mover. Puisque Portal, Lab et Dorm, je viens de là-bas justement. Entre. Enferme. Ah oui, c'était ça. Et bah voilà, c'était ça. Allez, go! Ah, je peux plus partir! Cinématique de fin. Ah, on m'enlève. Voilà, donc je voyage dans l'espace à travers un cube. Voilà. Donc si jamais vous trouvez un cube, c'est moi. You have collected 5 secrets. Ok, bah on va aux locations. Pour réclamer mon prix. Hop là. Bon, moi je lis pas, c'est pas la peine. Moi je vous laisse le soin de... traduire. Voilà, ça c'est l'ordinateur. Oh, les met pas tous d'un coup au début. Mais il me semble que c'est la dernière fois qu'il y aura des secrets. Ça veut dire qu'il n'y aura plus. Oh, le machin avec les clés. Là où j'ai trouvé mon truc. Combien de combinaisons? A lot. Beaucoup. Bah non. Il y a un. Un à gauche. Un. Le 1 à gauche ou le 1 à droite, le 2 à gauche, le 2 à droite, le 1, les 2, ou le 2 et le 1, c'est tout. Ou alors rien du tout. C'est tout ce qu'il y a comme truc. Comme combinaison. Voyons. Parce que si faire play, il y en a deux. Encore heureux qu'il n'y en ait pas un troisième, parce que sinon il y aurait. 3D puzzle. 9 rooms. Voilà, plus de secret. Ah, le machin que j'ai fait exploser. La submachine 2, la section de submachine 2, on y est revenu. Submachine 1, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je vais comprendre. C'est pas grave. Et ça, ah, le vaisseau dans lequel je suis parti. Donc voilà, hein, si vous trouvez un cube perdu dans l'espace, c'est que c'est moi. Peut-être que je vais aller dans un... à Cybertron, peut-être que je vais y aller. Submachine 6. Ouais. En 2008, ça a été fait. Yorul. Vos règles. Ok. Donc, je retourne. Alors, ça c'est quoi? Go back to submachine. Go to main menu. Et ben voilà. Donc cette vidéo est terminée, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la mettre en favori, commentez-la, aidez-moi à m'améliorer aussi, hein, donc n'hésitez pas à mettre des pouces verts, parce que je suis anti-pouce rouge. N'hésitez pas à la partager, la mettre en favori, bref, que du bonheur. Et on se retrouve à la prochaine fois, donc pour le Submachine 6, comme c'était marqué dans le truc. Donc le Submachine 6, et donc bah, à la prochaine pour le prochain jeu.